Bonjour chère maman, bonjour chers parents. Je suis docteur Ewumida Bolino, membre de l'ONG Fondation Durable. Notre ONG s'occupe de la prévention des maladies infectieuses et de la malnutrition. Cette vidéo est pour vous parler des mesures d'hygiène pour une nourrice. Deux volets seront abordés au cours de la vidéo. L'hygiène corporelle et vestimentaire et l'hygiène alimentaire. En ce qui concerne l'hygiène corporelle et vestimentaire, chère maman, vous devez vous laver au moins deux fois par jour à l'eau et au savon. Vous devez également toujours porter des vêtements propres. Vous convenez avec moi qu'on n'a pas besoin d'une garde-robe très riche avant d'être propre. À présent, abordons l'hygiène alimentaire. Une nourrice doit manger équilibré et en quantité suffisante pour avoir les éléments composants d'un repas équilibré. Je vous invite à parcourir la page Facebook de l'ONG Fondation Durable. Lorsque vous allaitez, vous devez également varier votre alimentation. Cela est très important pour votre bébé. Vous devez boire beaucoup d'eau. Et oui, quand vous allaitez, il est très important de bien s'hydrater. À éviter lorsque vous allaitez. 1. L'alcool. 2. Le café et autres excitants. 3. Les repas trop épicés parce qu'ils peuvent modifier le goût de votre lait. Et enfin, l'automédication. Cela est très important. Chère maman, tout médicament que vous devez boire, je vous prie de prendre l'avis de votre médecin ou d'un pharmacien avant de le prendre. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous et de votre adorable petit ange. À bientôt, c'était l'ONG Fondation Durable. Bye bye.